Et yo les gens, Soura, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça rend super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est à l'épisode je crois 15 de Far Cry 4. Ouais, donc épisode 4 de 15 de Far Cry 4. Là je crois que c'était laissé ici, on avait fait une quête pour Amita, et donc en fait on a plusieurs encore. J'ai regardé où on était à peu près dans l'histoire. On est à peu près à la moitié du, je pense, de l'histoire. Je pense qu'il y a encore une dizaine d'épisodes. Une bonne dizaine, voire une bonne quinzaine d'épisodes. Sans compter les quêtes secondaires, sans compter comment expliquer. Ah. Les avant-postes et tout, radio, etc. Donc je pense qu'il y aura encore une vingtaine d'épisodes, je pense. Donc voilà. On a encore chargé, on a encore un programme chargé. J'essaie de tourner pas mal d'épisodes aujourd'hui. Hop. Parce que, comme vous savez, vous regardez, pendant que je suis en vacances, on a 196 000, 193 000 plutôt. On va économiser, je pense. Déjà acheter ça. Parce que je pense qu'avec Attack Amita, je pense qu'il y a des trucs à faire. Munitions, j'en ai acheté. Donc voilà, c'est pour ça en fait. Regardez celle-là. La déchiqueteuse, franchement, dès que je passe niveau 6 de karma, je l'instabaille. Ça pourrait être vraiment super bien. Là donc c'est le Bushman aussi qu'il faut que j'ai. Et puis bah faut que je fasse encore une quête d'escorte armée. Donc on la fera peut-être dans l'épisode suivant. Waouh, un début énergique. Donc on va aller voir Amita et faire sa petite quête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la quête d'Amita plus une quête d'escorte armée. Comme ça on sera bon. Il y en a une ici, donc on va faire ça. J'ai oublié de reprendre une arme signature. Bon, c'est pas un problème. Alors j'ai de là à aller. Te prendre le. Oh le pouce-pouce. Oh les gens. Je pense qu'on tient le pouce-pouce. Allez. Attention, ça accélère vraiment très très bien. Regardez, oh, regardez la vitesse. Eh, ça va encore. Je disais ça ironiquement. En fait, ça tourne. Ça roule. Bon, en off-road, je pense pas que ce soit nickel. Mais... Par contre, quand on tourne, waouh. Je voulais rester comme ça, bref. Donc, il y aura la quête avec Herc. Aussi, une quête avec Herc à faire. Par contre, de karma, autant la faire. Oh l'exécution, oh l'exécution. Oh l'exécution, oh ça fait mal ça. Oh ça doit piquer, sérieux. Ça c'est vraiment... Juste un like pour cette action. L'action a été... L'exécution, le petit exécution plutôt de lancer. On s'essayait plus de prendre dans le dos. Mais... J'ai cru, il y avait eu un crash du jeu, je me suis dit what the fuck, non c'est bon. J'ai vraiment tué. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut pas du off-road? Non, pas off-road. Pas avec ce véhicule là. Hop, avec celui-là c'est peut-être mieux, ça du off-road. Rien que la route, par contre la route était un petit peu longue. Ah, bon, bizarrement quand je change le véhicule, on a directement la même radio. Mais je suis con en fait, non. C'est le but de l'histoire en fait. Hop. Allez, on monte. Le mec qui crie dans GTA, quand tu quittes une bagnole, dans GTA, t'as pas la même radio. Mais là, en fait, vu qu'il y a qu'une seule radio dans le pays, bah, c'est un peu compliqué. Bref, on a Amita, je pense qu'on a une cinématique. Ah, une cinématique. AJ, je pense que tu n'imagines pas ce que ces champs représentent pour l'avenir du Kirat. Des vivres, des armes, des munitions, des véhicules, tout ce qu'il faut au Sentier d'Or pour s'attaquer à Pagan Min. J'étais pas sûre de toi. La première fois, à Banapur, je t'ai pris pour le pantin de Sabal. Mais c'est pas le cas, pas vrai? Maintenant je sais de quoi tu es capable. J'ai vu ce que tu as fait. Tu n'as pas vu le Kirat avant la guerre. J'avais 6 ans quand mes parents m'ont dit qui je devais épouser. 6 ans. C'est ça le monde dont rêve Sabal. Ce qu'il veut, c'est nous faire revenir au Moyen-Âge. Mais toi et moi, on rêve d'autre chose. Et maintenant, j'aurais besoin de ton aide pour protéger les statues de Kira. Paul cherche à les détruire. Son objectif est de monter le peuple contre le Sentier d'Or. J'en suis. AJ, pour moi c'est important d'avoir ton soutien. D'accord, donc en fait en gros Sabal est contre le progrès et Amita est pour le progrès. Les Saints endormis.
Non, pas cela. Je pense que certains ont compris le. Bref. On va rejoindre le point. Ok, là. L'off-road. Pas de off-road. Pas de off-road. Automatique active. Par où par contre? Le grappin. Hop. Rejoignez les cendres. Ben ouais, ben, laissez-moi 2 minutes quand même. Laissez-moi quand même 5 minutes quoi, tant que j'arrive. Ensuite, tu peux monter par où? Oh, calme de nuit. Alors, on va passer par là. Hop, et ensuite. Ouais, très bon chemin. Alors, je sais pas s'il y aura du fight. Oui, il y aura du fight. Le mec il se prend 4 balles. Ah, le pompe est efficace, ça arrive. Allez, allez. Oh, il y en a des oui, c'est bon. Oh, le multifrag. Je sais plus où je suis, par contre. Tu sais, c'est juste que je t'ai plus pour faire ça. Je suis là. What the fuck le pompe? Quadruple mort. Oh le multifrag de 4. Oh c'est beau. Ah, j'ai plus de pompe par contre. De sniper. On voit qu'ils vont travailler d'équipe eux. Hâte de gueuler. Hop. Sorti ma lame.
Comment est-ce que son point d'XP on s'en fait là? Tirer au jugé, c'est pas très efficace avec cette arme, sérieux. Loyal. J'ai un putain de coup. Ouais, ils ont vraiment un putain de coup. Pourquoi ils font... ils attaquent? Je fasse quoi? Please. Maintenant contre pou. On y est. Mais il y a des cadavres partout. Sécurisez la zone. On arrive. On vient pour joindre. Bon. Il y a un lance-roquette ici. Là c'est calme parce que je me concentre. Ça fait du bien d'avoir plusieurs jeux, plusieurs trucs de l'hostel. Du coup, il est où? Ouais. Bon. Alors. Ouais, oh putain, c'est énorme. C'est Tandax, ça, sérieux. C'est vraiment tendu, hein.
Oh, c'était beau. Oh, c'est fini. Amita, c'est fait. C'est génial. Mais je vais avoir besoin que tu fasses une dernière chose, AJ. Je sais que j'ai besoin, après tout ce que tu as déjà fait. Mais je veux que tu trouves un moyen de bloquer le chemin qui mène jusqu'au statut. Hein? Pourquoi? Parce que Sabal aurait besoin d'hommes pour le protéger. On est en guerre. Le sentier d'homme a d'autres problèmes. Bloquer accès au sein endormi, d'accord. Alors... précise, hein, j'ai envie de dire. Putain, hé. Je commence à rager, ça m'énerve. Ce jeu m'énerve. C'est fait. C'est génial. Mais je vais avoir besoin que tu fasses une dernière chose, AJ. Je sais que j'abuse un peu, après tout ce que tu as déjà fait. Mais je veux que tu trouves un moyen de bloquer le chemin qui mène jusqu'au statut. Hein? Pourquoi? Parce que Sabal aurait besoin d'hommes pour le protéger. On est en guerre. Le sentier d'or a d'autres problèmes. Ouais. Voilà. Ensuite. C'est précis dans ce rocket, hein, sérieux. Je rigole, hein. C'est ironique. Par contre... Ah putain, ça m'embête un peu ça. Si bon, je remonte tout le chemin. Je sais que je peux courir indéfiniment, mais Dieu court vraiment très très vite, franchement c'est vraiment connu. Ah, putain, je vais peut-être prendre le petit arme de poing, on court plus vite. Hop, alors par où je vais? C'est simple. Ah, ok, d'accord. Le personnage est assez habile en fait dans le fond. Il sait servir de ses 10 doigts. Ok, faut que je saute là. Attendez. Non, je te prends pas le... Non mais... Non, please. C'est l'épisode où je meurs le plus. C'est génial. Mais je vais avoir besoin que tu fasses une dernière chose, AJ. Je sais que j'abuse un peu, après tout ce que tu as déjà fait. Mais je veux que tu trouves un moyen de bloquer le chemin qui mène jusqu'au statut. Hein? Pourquoi? Parce que Sabal aurait besoin d'hommes pour le protéger. On est en guerre. Le sentier d'or a d'autres problèmes. C'est ça, j'y étais. Je se fous de ma gueule un peu, j'ai l'impression. Trois fois que je meurs. Bon. Je vais dire que c'est pas de ma faute entièrement, mais bon, sérieusement, ça commence à me saouler. Parce que l'endroit, j'y suis, mais j'ai pas le droit de continuer un peu plus. Voilà, donc on monte. Faut que j'aille là-haut. Là, c'est la tyrolienne. Faut que j'aille là-haut. Comment on fait pour aller là-haut? Ok. Je vais faire une ellipse tant que je trouve et puis je vous reviens. Je reviens après. À la toute. L'ellipse. Je suis vraiment con. Il est en surveillance, donc faut... D'accord. Est-ce que... Voilà. Je suis juste con. Voilà. C'est tout. Fallait juste faire ça.
punaise. AJ, il faut que je te voie. C'est important, mais je ne peux pas t'en parler à la radio. S'il te plaît, viens me voir à Shanat. Ok, donc je vais aller à l'arène. Bon, on va aller à l'arène de Shanat. Qui est ici. Voilà. Reggie et Yogi ont besoin d'un cobaye pour leur quête. Oui, ben ouais. Ça ne dérangerait pas les faire. Alors, que veut ce jeu de mort? Genre c'est Nour qu'on va devoir aller voir. Est-ce qu'il y a un N? Et je pense pas qu'Amita se commence par un N. Hop. Donc c'est Nour. Sa viande d'un village pas loin. C'est comme ça que tu entreras. Quand tu seras là-bas, faufile-toi dans la salle d'interrogatoire. Il sera moins sur ses gardes. C'est quand même pas déjà la fin du jeu. Je pense pas. Parce que j'ai vu qu'on était limite à la moitié. Dans la vente, je prends pas trop. Ça veut dire. Alors, où est-ce qu'il est le point? Il est ici. Comme je suis qu'un tag, je vais là. Ça a du bon d'avoir des avant-postes un peu partout. Hein. J'espère que je vais pouvoir bientôt accéder au nord du Kirat, ce qui pourrait vraiment être énorme. Comme ça, on pourra faire tous les avant-postes avant de continuer l'histoire. Comme on a fait des débuts, quoi. C'est un gain de temps. Oh, 350 mètres à pied, ouais. Comme il y a un éléphant ici, ça va aller plus vite. Allez, l'éléphant, on monte. Allez mon grand. Allez mon grand. Ah, ça va vite l'éléphant, hein, ça. Moi c'est une bagnole mais... Pourquoi? Non, je suis là, c'est bon, je suis dessus. Alors. Essaye, tu as trouvé ma famille? Pas encore. J'y arriverai bientôt. Oh d'accord. Écoute, tu dois entrer discrètement. C'est important. Paul est un rat et les rats sont toujours un navire qui coule. Il ne doit se douter de rien jusqu'à la fin. Et n'oublie pas, Eddie. Il donne une fête à leur trouve où il prend ses victimes. Et infiltre-toi avec eux. J'ai pas compris. C'est un truc de filtration en fait. Voilà, c'est juste ça. Je sais pas, je suis tombé dans cet épisode. Ejay, tu as trouvé ma famille? Pas encore, mais j'y arriverai bientôt. Oh, d'accord. Écoute, tu dois entrer discrètement. C'est important. Paul est un rat et les rats quittent toujours un navire qui coule. Il ne doit se douter de rien jusqu'à la fin. Et n'oublie pas, Ejay. Il donne une fête à leur trouve où il prend ses victimes. Et infiltre-toi avec eux. Ok, donc en fait je vais aller à l'arrière. Il s'est retourné, il m'a vu. Je crois que celui-là il s'est chié dessus. Les exécutions pour être tranquille. Pour aller dans le camion. Y a rien, mon grand. Tu crèves juste. Voilà.
va monter dans le camion. Ce serait bien qu'on revoie Darpan peut-être. Donc on rentre dans un carton. Amita, je vais m'occuper de Paul. C'est très dangereux, AJ. On le veut vivant pour lui faire payer ses crimes, mais... Sois prudent. Et AJ, si tu peux, prends des photos de ces salles d'interrogatoire. Ça nous aidera beaucoup, si on veut convaincre les gens que c'est un monstre. Eh ben on va se laisser là. Reste discret. Ne te fais pas repérer, ni capturer. On va se laisser là, parce que j'aime quand du suspense. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous. Et likez, mettez un pouce bleu pour ma connerie. Hein, parce que je suis vraiment teubé dans cet épisode. Ça, je pense que j'étais vraiment le plus teubé. Donc voilà, allez, à plus tout le monde.